Le vrai faux. Bonjour Géraldine Vosner Bonjour Patrick. Bon bon des bonjour questionnements à tous. autour de la hausse des prix du tabac. Une hausse importante, programmée sur trois ans, qui va peser sur le budget des fumeurs. Pour Richard Ferrand, le patron des députés En Marche à l'Assemblée, cette fiscalité comportementale est une nécessité. Chaque fois qu'on augmente le prix du tabac, la consommation baisse. À chaque fois qu'on augmente le prix du tabac, la consommation baisse, c'est vrai ou c'est faux C'est faux. Même si les hausses ont eu, c'est indéniable des effets positifs ces dernières années, les données dont on dispose contredisent l'analyse de Richard Ferrand. C'est simple, hein, depuis 2000, le prix du paquet de cigarettes a augmenté de 120% en France, il est passé de 3,20 € à 7 euros Les ventes officielles de tabac ont fortement reculé, on vend 28 milliards de cigarettes en moins chaque année, mais la la consommation, elle, n'a pas baissé. La France comptait 33% de fumeurs il y a 17 ans. Le taux est aujourd'hui de 34,5%. Donc la prévalence du tabagisme a augmenté. Alors, euh, il y a plus de fumeurs occasionnels. On fume en moyenne moins de cigarettes par jour. Mais il n'empêche, hein, les Français sont les vice-champions d'Europe du tabac, juste derrière les Grecs. La seule fois où la consommation a vraiment baissé après une hausse de prix, c'était en 2003-2004, quand le plan cancer a été lancé. Le paquet a flambé de 40%. 30 en 14 mois. La hausse a été massive. On en a vu les effets, mais ensuite, les augmentations sont étalées dans le temps. 5% par-ci, 10% par-là. La consommation a remonté. Mais là, le paquet va passer à 10 euros en mars. Hein. C'est massif. Euh, alors, non, il va pas passer à 10 euros en mars. Hein. L'augmentation va s'étaler en ah fait oui, sur 34 mois. Il va augmenter d'un euro en mars. Voilà, ouais, voilà. donc 40% de hausse, mais sur 34 mois, pas 14. Du coup, ça reste euh, difficile d'en prévoir les effets. Car il faut se rappeler, une autre donnée que montrent les enquêtes annuelles de 200 Public, le tabagisme a régressé chez les jeunes. On sait que l'effet prix joue sur eux. Mais chez les chômeurs, par exemple, il a augmenté de 9 points depuis 2000. Et la consommation des Français qui ont les revenus les plus faibles n'a cessé d'augmenter en dépit du prix. Ça nous apprend deux choses, Patrick. D'abord, que le coût n'a pas d'impact sur les personnes les plus en difficulté, celles qui trouvent du réconfort dans le tabac. Ensuite, qu'il faut prendre avec précaution les études sur l'effet de cette fiscalité qui ont été conduites souvent au Canada ou en grande Bretagne. Or, bah, l'Angleterre, c'est une île. On y a moins accès au marché parallèle, par définition. Or, c'est un problème majeur en France. Les ventes des buralistes dégringolent, mais pas la consommation, parce qu'on se fournit ailleurs, soit aux frontières, où partout le paquet de cigarettes est déjà moins cher, soit au marché noir, avec des produits qui viennent d'Algérie, des pays de l'Est. Ce marché parallèle, il pèse entre 20 et 28 de la consommation totale en France, sans garantie. Le gouvernement n'a jamais fait d'enquête. Géraldine Vassner, merci. Europe.